Ce qui est bien, c'est que ça allie bien les bras, les jambes, ça permet tout de travailler. Ça dépense, ça fatigue, mais en fin de compte, ça permet vraiment de se vider, de donner tout ce qu'on a. Parfois on traîne des pieds, on ne veut pas y aller, parce qu'on sait très bien que c'est parti pour 3 jours de cramp. Et puis quand on y est, c'est libérateur. C'est pas un sport, c'est la psychanalyse. Quand on combat, on a les sens en alerte, on sue comme un bœuf et on pense qu'à une chose, l'adversaire. On saute, on donne des directs, des crochets, on esquive. Au bout d'un moment, la seule chose qu'on continue d'entendre, c'est notre respiration. Tu combats, t'avances, tu recules, t'esquives, tu t'en fous de perdre le match. T'es vivant. C'est vrai que c'est plutôt un univers masculin, mais il n'y a pas de raison. On n'est pas moins apte si on est une fille, la preuve. Non, ça pose aucun problème. Au début, on retient ses coups, bon, parce qu'on a des a priori, quoi. Et puis, quand on s'est fait laminer, on se lâche. On est égaux. Et on est...